Dans leur casquette du terrain, Elikia Labisso, RDC, qui poursuit sans relâche sa campagne de sensibilisation sanitaire contre le nouveau coronavirus. Toujours à travers des actions caritatives de haute facture en faveur des démunis dans la ville de Kinshasa. Pour ce vendredi 22 mai 2020, ces activistes n'ont pas voulu briller que par de simples slogans, des donneurs d'espoir, mais plutôt par des actions aussi éloquentes à l'endroit des plusieurs couches sociales, même dans les coins les plus inaccessibles de la capitale. Ici, dans les profondeurs du camp Tchatchi, cité occupée par l'armée de garde républicaine, située dans la commune de Ngaliema, ces acteurs sociaux de Elikia Labisso RDC ont abandonné leur bureau en défiant la distance pour venir rendre visite à ces orphelins dont les parents étaient des militaires. Tous ces bénévoles ont voulu se mettre dans la peau de ces orphelins et palper du doigt la réalité de vie de ces enfants sans parents en ces temps de crise sanitaire de Covid-19. Tout travail au Canada domaine, il y a santé, il y a éducation, il y a social. À cadre d'activité, il y a orphelins, donc il y a des parents, il y a la place, il y a des gens. Le coronavirus est un problème qui a dérangé dans le monde. Les malades continuent à se battre. Les malades continuent à se battre. Non seulement qu'on sensibilise différentes couches de la population par rapport aux malades de coronavirus, ils sont réels. Ils sont réels. Ils sont réels. Ils sont réels. Mais spécialement pour les gens qui ont été en assistance. Pourquoi? Parce que. En présence de responsables de cet orphelinat, les enfants ont reçu des masques tendants avant d'être enseignés sur les notions sanitaires et gestes barrières pour se protéger contre le virus. Surtout pour les enfants, les gestes barrières ont été mis en place pour protéger la corona. Les maladies virales ils ont été par faute de la boue propre, de la diarrhée. Ebola, malade belé. Nous avons coûté ça avant pour frotter ma casse, la casquette, mes opinions sur Manzaka, Bumoni. Pour plus d'enseignements, les enfants ont aussi reçu les illustrations des gestes barrières dessinés depuis la France par Florence Prévost, alias Cœur d'Artiflo, pour colorier. Après, c'était le tour d'une séance d'échange avec ces orphelins qui se sont ouverts en parlant de leur vie. Devant cette mélancolie d'un passé douloureux et tragique, Ornelli Kiesse de Elikia Labisso RDC n'a pas pu retenir ses larmes. Il y a de réalité. Ça m'a vraiment choquée. Je me dis, j'ai le parent, je remercie le Seigneur. Et pour la petite, c'est dur. C'est vraiment dur. Elle est dans l'orphelinat depuis 10 ans. Et aujourd'hui, elle a 12 ans. Et je me demande qu'elle a deux frères, deux petits frères. Il y a l'un qui a 6 ans. Et je me demande l'autre petit qui a 2 ans. Je me dis, depuis quand il est là? Et c'est vraiment une triste réalité. Et nous vous prions en tout cas de pouvoir prêter l'oreille à ces deux. Leurs parents, le militaire, se sont donnés pour la paix au Congo, pour la paix dans la nation. Et prêtons l'oreille à ce qu'ils ont besoin. Soutenons-le. Parce qu'il y a des enfants intelligents qui
dans le temps d'avenir, ils peuvent influencer positivement le monde et changer même la vie de notre pays. Comme dans leur habitude, Eli Kana Bissau en action a dans sa gibecière apporté un lot de vivres et non-vivres à ses orphelins, composés des sacs de riz, sucre, savon, sel, des bidons d'huile et tant d'autres. On a l'hygiène, vous sentez à l'hygiène. En gros, ça donc pour les enfants en amont du colo, n'a pas d'habitude. Pour moi, ça va, ils ont accompagné la zone en gros. Juste pour la route. C'est pour la mabou, pourquoi? Moi, ça va. Pour moi, c'est une chaga la mapola maman. Maman, yo, je sais que ça la même chose. C'est important, ma fête. C'est le sac à moi. Pour moi, pour moi, nous sommes. Bon, ça c'est pour les enfants, on va continuer à la dessin. Et l'occasion faisant les larrons, dit-on, la présidente de cet orphelinat, Mayu Mangala, a profité de cette visite pour demander à l'ONG de continuer à les aider. Orphelin, on a 36, on a 14, on a 14, on a les bons bergers. La joie 10, la pizza n'a pas ça. Pour caca, la ma cookie a roulé sa bango, et la qui tendait babima, ma kenda la bofélina moussou. Mais suivi, tout à la bango, bazali, pour le tanga, pour bazola la bien. Moussou bazala, moi moussou, moi aussi, si la bassi, batangina, c'est le bazola, la ligne aux hommes la bango. Yama, tout le bina bouillé, pelicambouya, hôpital, tous à ratouza, la pose à péan, qui est tous à ratouza, ratouza, par la journée, moussou à ta part. À son tour, Joël Yamenga, président de l'Union des enfants des militaires de la garde républicaine, a saisi l'occasion pour remercier Eli Kana Bissau RDC. Nous avons presque ébélé dans quatre associations, voire même dans notre travail ébélé. Et tout ça pour se faire vraiment la nuance pour aller pour ça en cas de mission. Voilà un peu ce qui a été vraiment mon interview dans le lot, dans le journaliste. Et des actions qui davantage confirment encore la vision et la détermination de cette ONG dans les actions sociales en faveur des démunis pour sauver des vies. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah.